Ok. Alors, j'ai battu le boss optionnel du second chapitre. Et maintenant, je vais tenter de terminer le second chapitre. Je dois battre la reine, mais j'imagine que je dois faire son château. Ça va pas être simple. Non, je rigole, je vais y arriver vu que j'ai fait le boss optionnel, je pense. Allez, je vérifie juste. Est-ce que j'ai débloqué tous les persos ou non? Ça m'a l'air d'être bon, je crois. Oh, c'était quoi ça? Ok, ça c'est réglé, on passe au deuxième étage. Mince, je retrouve plus la touche. D'ici, j'ai rien fait. La salle a été fermée à cause de la vermine dans la cuisine, ok. Un raccourci, c'est le truc dont avait parlé Burly, je crois. Ouh, ça pue les emmerdes. Non. Ah mince, les souris vont défendre leur fromage. Tiens, je l'ai pas ce mob-là, non. Ah ouais, il va falloir capturer un paquet quand même. Ok. Ah, ça en fait un bon paquet. On dirait qu'elle se régène à chaque fois? Ok, 100% de merci, ça veut dire quoi ça? Et ça tourne, ouais, c'est hors de contrôle. Quoi? Oh, ils s'en occupent pour moi? Ah oui, parce que je les ai recrutés. D'accord, donc si j'avais pas recruté cette femme, j'aurais pas pu recruter les souris? Étrange.
Est-ce que je peux leur parler ou ça fait un combat? Merci pour l'aide. Ok. Ils m'ouvriront la voie. Ok. Ça va, j'ai gardé l'œil quand même. Attends, ça m'a ramené ici? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je pense qu'on va s'acheter un peu de bois. Oh, le pins royal là, il m'aiderait bien sur rural. Non, de toute façon, j'ai pas assez. On va stuff un peu vite fait. Voilà, ça va un peu mieux. Ouais, on n'a plus du tout de trucs. Ah, mais c'est vrai que j'ai que dalle en objet pour me soigner. Ça va m'empoisonner, quel intérêt? Bizarre. Hey, salut Splash, comment vas-tu? En vrai, comme j'ai fait le boss secret, je peux y arriver, je pense. Je suis un peu perdu, hein, mais juste un peu. Merci pour l'aide, on va ouvrir le dining hall vers l'est. Oh, c'est quoi cette salle? T'as pas eu le temps de mater la rediff? T'étais jusqu'à où la dernière fois? En gros, si tu veux, je suis arrivé au château de la reine. Ouais, tu connais la reine quand même. Et j'ai battu le boss optionnel du jeu. C'est fermé. What's this chain? En gros, ouais, pourquoi cette salle elle est vide? Bienvenue dans ma salle pour mon. Ok. Ok, seul l'un de ces plats a la clé pour ouvrir la porte. Comment on va pouvoir chercher dans toutes ces assiettes?
doit y avoir une assiette en particulier, ou peut-être j'appuie sur entrée. Ok. Ça va prendre du temps. Ok. J'ai pas trouvé la clé. Give up, non? Je veux pas give up. Oh, il les mélange toutes les trois fois. Attends, c'est impossible en termes de hasard, non? Il doit y avoir une douille. Ok, ça va recommencer. Et sûrement autre chose qu'on peut faire. Tiens, celle-là. Elle est bizarre. C'est quoi ça? N'essaie pas de t'enfuir, espèce de petit. Ok. Hé, attends une seconde. Ouais, y'a forcément un truc. Frère, le CMQ. Et voilà la clé. Maintenant, on a juste à ouvrir. Attends, il a détruit la clé? Et il a détruit la porte. Oh putain, il a tout détruit. Ah, c'était super, non? Si on accepte la destruction, peut-être. Allons-y, Chris. On est presque au troisième étage. Je voulais pas me battre. Oh non, bah attends. Doivent tous avoir la même couleur, en gros c'est la même chaleur, et comme ça je pourrais les enlever quoi. Oh le bonbon, je me demande il m'aurait régène ou non. Voilà. Ils sont tous rouges et je vais pouvoir en enlever deux. J'aime trop la pose qu'ils prennent quand ils partent. Mais Splash, franchement, j'ai battu le. On va dire le boss secret du jeu là, donc de ce chapitre, donc je suis confiant. Ah mince là. Oh, j'ai tellement pas de chance qu'en vrai j'ai... Oh putain. Genre j'ai ouvert le dernier bon truc, mon dernier quoi. Désolé, hein. En tant que joueur de Zelda, je suis obligé de détruire les poteries. Alors Splash, t'es pas sous la menace d'un appel imminent? Joueur de Zelda qui se respecte casse les pots. Ouais. La table suprême, on peut pas la pousser. Ok. Bon, je voulais être sûr que je rate rien de ce côté-là.
J'aurais peut-être dû me régénérer, moi. Alors, les bleus, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord, ça reste. Oh oh. Ok. Ah oui, il y a un truc qui va ouvrir un passage secret à un moment. Tiens, un Burly. Chris, Suzanne. Content que vous soyez arrivés sans être blessé. Maintenant, dépêchons-nous. Ok, c'est le passage secret qui va nous amener jusqu'au toit où il y a la reine. Ainsi, on pourra sauver le Noël. Ok. Allons-y, Chris. Oh, Chris, c'est... Quoi? Chris. You and your lucky destruct queen. Ok, toi et Ralsei, faut qu'on fasse une distraction, enfin une diversion pour la reine. Allons-y, Suzy. Juste nous deux. Ça sent la douille quand même. Allons-y. Chris, est-ce que tu me penses que je suis ton laquais? Ton larbin, on va dire? Of course not. Bah, bien sûr. Ça y regarde un film. Tiens, le chevalier a créé la fontaine et ainsi ce monde. Donc c'est le chevalier qui crée les fontaines des ténèbres. Ok. Il pourrait être bien plus fort que la reine pour le moment. Roshi pour Alcé Chris. Ah ouais. La reine a été très intéressée par cette vidéo récemment. Ouh, le chevalier crée la fontaine par ses propres mains. Ça et les vidéos les plus drôles de Cyber City. Donc en fait, à chaque chapitre, c'est que le chevalier crée un truc et nous, on va devoir l'éteindre. Je me demande, alors le chevalier vient du monde de... Ah, on peut pas dire c'est qui, parce qu'on voit pas à cause de la fumée. Je me demande si c'est pas Chris lui-même, des fois. Un géant lac d'acide. Oh, vous montez la piscine gratuite. Vous allez apprendre à l'aimer. Pourquoi tu fais ça? Oh, c'est l'énergie de son manoir, d'accord. Bye, hahaha, ok. Comment on est censé passer ça? Il y a un levier. Mais d'abord je pars. Ah, je peux pas. Oh non, j'aurais dû vérifier la porte. Si, ok. Je suppose que ça marche ainsi. Oh non, j'aurais dû fouiller la porte quand je le pouvais encore. Bon, j'imagine que je dois pas faire d'accident. Maintenant, on doit réussir à faire une diversion vers la reine. Ça pue la famille Lancer. Bah le pire, c'est qu'ils sont pas reliés, mais t'as vu, c'est exactement la même forme. Tiens, c'est quoi ces petites maisons? Je me colle? Non. Juste des villas, d'accord. Comment quelqu'un pourrait rentrer là-dedans? Ah d'accord, grâce à l'acide, il serait réduit. Chris, attrape la banane. Chris, tu vas pas faire ce que tu as fait. Ça se trouve, c'était pas une douille la banane. Oh, je sais pas. Bande de fous, je voulais que vous l'évitiez. Maintenant, vous allez être déficient en potassium. On dirait qu'on arrive dans un tunnel. On dirait mes trucs sur RPG Maker. Tiens, il y a quelque chose qui bloque la route. Non. Peut-être qu'on devrait... On va trouver quelque chose pour s'en débarrasser. Oh, c'est quoi ce mini-jeu rouge? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de passage? Ah, c'est les maisons qui activent et désactivent les trucs. Ok. Vas-y, bats-toi contre moi.
les faire danser un peu. Ouais, je vais devoir changer leur couleur. Là, franchement, regarde le replay de la vidéo précédente, parce que j'ai réussi à m'en tirer, mais je te jure, c'était pas simple. Bon, je vais peut-être perdre contre un mob à la con, finalement, mais... En plus, j'ai perdu tous mes objets de soins. Voilà. Les Kirby retrouvent leur... On dirait que la paix est revenue au château, ok... D'accord, c'était trop beau pour être vrai. Tiens, quoi à droite? Non, attends, reste ici. Attends d'aller chercher un mouchoir. Okidoki. Même ça me débloque pas le haut là. Allons voir ce qu'il y a par là d'abord. Oh le monstre. Si je fais ça, je m'enferme. Non, oui. Non, j'ai libéré un Gus. Merci pour votre aide. Ah ouais, il est venu la laver et il est resté... Ah mais non, si je clique, ça va me bloquer, non? Vas-y, il faut que je le fasse. Non, étrange. Poterie. Et si je pète la poterie, c'est le combat? Oh, il va me laisser mon... Ok, pour une fois il a dit vas-y. Ça va, il est reconnaissant. On dirait que c'était juste pour cette Seinette, donc je sais pas trop. Faire ça. Ah ouais, d'accord. Je crois avoir compris. Oh là 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 là, le retour des souris folles. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça m'ouvre. Ok, ils m'ont trouvé un dollar. Heureux splash. Ils ont trouvé 20 dollars. Ah, et à chaque fois, je touche pas ce qu'ils trouvent. Mince, d'accord. Je sais absolument pas ce que je fais. Mais ça marche. Que le pont marche, ok. Qui est-ce que... Il y a des gens qui ont fait jeu fument de la drogue. Ok. On dirait... Ok, ça a enlevé l'autre main de la route, ok. Allons-y, Chris. J'aime bien Chris, il regarde même pas devant lui. Chris, Chris. Ah, il va nous dire un truc, lui. C'est étrange de le dire. Mais c'est sympa de passer du moment tout seul avec toi comme ça.
Je rappelle quand même que Ralsei a l'air d'être le clone de son frère Asriel, donc c'est chelou, mais bon, on va dire oui. Je suis content de l'entendre, de t'entendre dire ça, Chris. Première fois que nous sommes rencontrés, je t'ai si nerveux pour poser les premières impressions que tu aurais, je pense. J'ai même caché ma tête, comme ça tu me verras pas. Comment puis-je avoir un ami? Tout ce que j'avais, c'était être gentil, était ce que je pensais. Mais j'ai commencé à réaliser qu'être ami, c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Suzy n'est pas du tout sympa des fois. Non, je sais pas s'il y a un lien, mais. Elle est égoïste, méchante, sarcastique, mais. Mais n'est-ce pas merveilleux qu'elle est elle-même? C'est ce que j'ai commencé à penser aujourd'hui. Et bien sûr, Chris, c'est bien que tu sois toi-même. Voilà, et bien c'est bien que Ralsei soit Ralsei, j'imagine. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Everything you're first. C'est la première fois pour moi, je crois. La première fois, ouais, l'entendre de ta part, ça représente beaucoup. Je me demandais. Qu'est-ce que signifie être comme Ralsei? Oh putain. Désolé, haha, je suis sorti des bois. Profitant de la promenatrice. Venez comme vous êtes, Ralsei, publicitaire chez McDonald's, je te jure. Ta-ra-ta-ta-ta! Oh-oh! Oh, Chris! Regarde toutes ces maisons! Je me demande ce qui se passe quand on va changer leur couleur. Wouahahaha! Attends, ces verts sont vraiment les plus forts? Mais n'ont-ils pas vu le dernier... Attends, c'est l'autre, là, le duc? Mais attends, pourquoi il n'est pas devenu une statue comme... Attends, je comprends pas. Lancer est devenu une statue parce qu'en fait Lancer il est pas originaire de ce monde. Et quand une créature des ténèbres n'est pas dans son monde des ténèbres, elle se pétrifie. Mais lui non. On va devoir se battre contre lui. David Jones, ouais. Est-ce que tu pourrais pas parler avec juste un seul accent s'il te plaît? Ok, très bien. Oh, je me souviens, Lancer, ils ne se sent pas bien. Medieval Ginger Ale, il faut lui donner de l'alcool pour le guérir. Splash, c'est une réponse très splashique ça. Il n'a pas le temps à perdre sur des frivolités, il veut conquérir cette île ou nous débattre. Ah ouais, comme ça la reine le remercie et il deviendra sa main gauche. Ah 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 ah, moi le larbin ultime. Maintenant, prenez garde à ma forme ultime. Non, je rigole. Eh, c'était le monstre du premier CD ça! Encore ça? Je me demande si j'avais fait le choix, ça aurait enregistré le même choix ou non? C'est l'effigie d'un ancien dieu du combat. Je l'ai sauvé des poubelles du roi. Je l'ai réparé. Ah, à vrai dire, c'est un dessin qu'on a fait. Ah, 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 ah. Et bientôt, vous allez goûter à la rejection. On joue à quoi là? Distraire. Claim with Z. Attends. D'accord. C'est comme Othello, genre. Je dois prendre une. Ouais. Ralsei la distrait. Donc il mettra une maison de moins au prochain tour. Fallait pas faire le canard. Eh, le canard! Bah ouais! Le canard contre le cygne. À mon avis, il y aurait une grosse douille splash. Merde, j'avoue, j'ai un doute maintenant. Attends, je crois. Ah ouais, je joue à Choice Chamber encore. Attends, je vais pas réussir à perdre quand même. Tech House. Essaye de me distraire. Je comprends pas le délire. Je dois me rapprocher de lui. Je comprends pas le truc. C'est celui qui a le plus de maisons qui gagne. Ok. Il se rapproche de moi. Waouh! Ah, attends. Pourquoi il en a gagné deux là? Pourquoi il en a gagné deux? Parce qu'il a fermé le chemin. Merde. Tech House. Je peux en prendre trois. Let's go.
Ok, j'ai pas compris pourquoi ça... Ça me convertit plein de trucs. J'ai terminé, mais ça m'a pas converti de trucs. On va prendre deux maisons. Magic, on peut pas se soigner, mais écoute, des fantômes au moins. On va faire ça. On va faire ça. Non, je comprends pas. Il se rapproche. Je vais réussir à perdre ici, Splash, je pense. J'arrive à battre le boss optionnel, mais pas ce Gus. Tu peux pas encore soigner? Non. Ouais, mais ça convertit pas les bleus? Il sera occupé. Et toi, faut que tu soignes, toi. Franchement, je suis mitigé. Il va gagner, je crois, hein. Mais je... Ouais, non, je sais pas comment... Mais l'air d'en avoir beaucoup plus que moi, en tout cas. Dernière maison, j'ai perdu. Ouais. Et il a gagné. Il fallait avoir le plus de maisons, ok, d'accord. Non, j'ai gagné. Ah, il a enfin gagné. Comment ça fait? Ça fait quel effet? Je me demande si ça aurait changé un truc si j'avais gagné ou non alors. Peut-être un objet? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va dire, je sais pas. Quoi? Tu as plus de maisons alors? Qu'est-ce que ça fait? Haha. Content que tu me demandes. Tu n'as aucun plan, n'est-ce pas? Tais-toi! Et voici mon vrai pouvoir. Oh oh. Attention, ver de terre, voici mon vrai pouvoir. Il va se statufier, ce con. Et voilà, putain. Eh ouais, il est pas issu de ce monde aussi. Quel gâchis. Il va pas nous dire un mot. Sa tête est toujours dispo, il peut encore dire un truc, non? Est-ce qu'il va nous faire chier à chaque épisode? Tiens, une photo. Bah t'as bien parié, Splash. On dirait que c'est bientôt terminé. Oh, une caméra. Est-ce qu'on devrait prendre une pause? Il va mourir à l'autre. Est-ce que vous allez me laisser derrière? Vous avez même pas montré la photo? Mais il y a des choses genre est-ce que si j'ai gagné au puzzle, il y aurait un impact? La photo, elle a un impact?
Béatrice, est-ce que tu te demandes ce... Ouais, moi aussi. Je... Oh non, on va... ils vont fermer leurs yeux et imaginer ce qui arrive à Suzy. Attends, c'est Suzy ou Noël? Quoi? Quelle lune étrange. Non, je pense que je pouvais gagner, il fallait peut-être mieux le distraire ou mieux prendre les maisons, je sais pas. Parce que tu sais, tu pouvais prendre les maisons voisines, donc peut-être si j'avais bloqué le passage au milieu directement, moi j'aurais pu descendre, mais pas lui, genre. Il aurait pas pu monter. Ce monde. J'aimerais que Death puisse voir ça, c'est qui Death? Y'a quelqu'un? Oh putain. Hé, hey, qu'est-ce que vous êtes? Hé, hey, vous pouvez pas capturer quelqu'un qui est déjà capturé? Suzy, tu m'as sauvé? Ne t'habitue pas à ça. Ok, t'inquiète pas, je me dis puis tu ne pas. La lune, c'est une balle de baseball quand même. Sympa ta lune. Ouais. Mais c'est bizarre, n'est-ce pas? Comment nous sommes arrivés là? Non. Qu'est-ce que cet endroit? C'est... Ah, je lui dis la vérité ou non? Autant lui dire la vérité, je pense. Tu es juste en train d'avoir un rêve. Quoi? Oh, c'est le cas. Oui, si tu es ici, c'est que c'est sûrement un rêve. Quoi? Je veux dire, la vraie Suzy ne m'aurait sûrement pas sauvé, n'est-ce pas? Elle s'en fout de moi, sûrement. Ouais. Pourquoi tu penses ça? S'en fout de tout le monde? C'est vrai, mais... Mais pourquoi tu t'es demandé... Pourquoi Suzy ne s'est jamais énervée contre toi, je crois? Tout le temps? Oui, parce que peut-être... La première fois qu'elle est arrivée en classe, tu lui as prêté l'un de tes stylos qui ressemblait à une canne à sucre. Et même si ce n'avait pas le goût du bonbon, elle se souvient de ton sourire et elle a décidé de t'épargner, tu sais. Merde, le stylo qui a changé le monde. C'est très spécifique. Attends, tu dis qu'elle a mangé le stylo? Ah, alors est-ce que tu rêves à... de moi souvent? Tape-moi avec ta hache. Ah, non, attends, je vais faire ça. Attends, si tu es génocidaire, elle aurait pu? Pourquoi? C'est juste arrive alors. Je veux dire, tu veux pas en profiter un peu plus? On va sortir un peu plus en moi. Je suppose que Berly peut attendre encore un peu. Allez, barrons-nous d'ici. Ok. Bah, parce qu'elle a vu Suzy utiliser la hache pour tuer les monstres, là. Attends, c'est une sorte de rendez-vous, version Lover. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça explique tout. Attends, là, il part ailleurs, là. Chris aurait su quoi faire. Tu sais, dans la prison, elle avait mangé de la mousse. Et genre là, c'est dit manger de la mousse. Point on earth come out. On va faire ça. Hein. Même si manger de la mousse, ça me tente. Peut-être Chris ne saurait pas quoi faire. T'aimes bien les grandes roues? C'est différent de celle qu'elle avait montée avec Chris. Tu as peur des hauteurs? Non, 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 j'aime. Aucun vertige. Pourquoi tu trembles? Peut-être que j'ai pas peur, mais je, pour être honnête, j'aime bien les choses qui font peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on était petits, moi et ma sœur, on restait réveillés pour regarder des films d'horreur. Au départ, je pleurais, mais ensuite, j'ai commencé à apprécier de les regarder.
C'est devenu confortable pour elle, j'imagine. C'est flippant, mais je peux juste éteindre la télé, tu sais. Maintenant, c'est surtout les gens qui sont flippants. Tu parles de moi, hein. Ah, je suppose que toi aussi, mais... Mais tu sais qu'est-ce qui est bien avec toi? Nice. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es... Le bon mauvais. Non. Les bons trucs flippants. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Tu n'as pas peur de briser les règles, tu sais. J'aimerais tellement en faire autant. Faire quelque chose de crazy ou quelque chose de nuts. Je suis obligé de faire nuts. Si je pourrais faire quelque chose de fou maintenant, que ferais-tu? Oh, je sauterais par la fenêtre. Ouais, non, elle va mourir. C'est un rêve, n'est-ce pas? Oh putain. J'aurais des ailes d'ange, je me pousserais dans le vent. Et je m'envolerais aussi loin que je peux dans le ciel. C'est beau, je crois. Le bon genre de flippant, ouais. Attends, tu vas pas vraiment sauter, n'est-ce pas? Ah ah, non. Suzy? Qu'est-ce que... Attends, what do you think, Rocky? Qu'est-ce que tu regardes par là? Moi? Un truc romantique ou un truc cool? Il y a un truc romantique, même si je pense pas qu'elle aurait dit ça, mais bon. Voir tout en petit me donne l'impression que j'étais Suzizia en mode Godzilla et que je pourrais détruire toute la ville. Ah ah ah, Suzy. Hé, hey, quoi? Est-ce que tu penses souvent à Suzizia? Là, ok, mensonge, merde. Est-ce qu'il y a un mensonge qui est différent de l'autre, genre? Non, je viens juste de l'inventer. Est-ce que ta queue fait souvent ça quand tu mens? Hé, hey, ne regarde pas ça. J'ai pas de queue. Ça fait partie de ton rêve. Oh, ok, désolé. Je suppose que je vais devoir vérifier dans la réalité aussi. Hé, hey, non, ne le fais pas. Ah ah ah, Suzy, tout est ok? Écoute, je n'aime pas que les gens soient au courant à propos de ça. Ok. Je pense que c'est une... Je pense que c'est une queue sympa. Ouais. Elle bouge. Oh, les dialogues. Tu as arrêté de trembler. Je suppose que je suis à l'aise maintenant. Moi aussi. Ouais, ça n'était pas si mal. Ouais. Si seulement je pourrais rêver de ça chaque jour. Peut-être. Mais ça n'a pas à être un rêve, mais tu sais, Suzy. Peut-être. Peut-être un jour on pourra... Oh putain. Noël! My lady! La cavalerie est venue vous sauver! Oh! Oh bah, la gamine! La bonne partie du rêve est terminée. C'est bon, Berly. On est alliés. Oui, ne t'inquiète pas, Noël. Je suis stupide à présent. Il est parmi les gentils. Oh, le Cupidon de lui. Ok, je dois aller sauver le monde maintenant. Bonne chance, Suzy. Ah, ils viennent pas avec nous? Ok, Nugget Boy, c'est à nous de jouer. T'inquiète pas, ma chère Suzanne. Ouais, que les intelligents soient avec vous. Ah, elle est partie avant que je puisse. Noël, c'est dur de dire ça. Tu as fait tant pour moi et je... Noël, je suis désolé. Berly, tu es en train de t'excuser? Merci, je comprends, tu sais. Tu as toujours... Tu as toujours été gentil avec moi quand c'était nous deux. Tu voulais juste créer un monde joyeux pour moi. Je suis content que tu aies réalisé que c'était nul. Ouais. Je veux dire oui. M'excuser pour ça, bien sûr, mais je voulais aussi m'excuser. For Lindy. Quoi?
Je sais que tu m'as toujours aidé parce que... Oh putain, parce que tu as un crush sur moi. Quoi? Oh, désolé, s'il te plaît, ne sois pas embarrassé. C'est compréhensible, mais je dois te dire que... J'apprécie beaucoup notre amitié, ok? Donc j'ai dû faire semblant d'avoir les sentiments réciproques. Putain, alors qu'elle a jamais blairé. Non, je n'ai jamais. De plus, il semblerait que... Oh là là, ouais, non, c'est grave. Attends. Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre? S'il te plaît, ne sois pas jalouse. Deux. Oh! Il est amoureux de Suzy maintenant. Oh putain de bordel de merde. Noël, elle va cancer. Oh, quoi? Oh! Quoi? 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 Ok, bon. Et je pense que les sentiments de Noël, ils sont clairs. Et donc voilà. Géronimo! Oh merde, elle sait. Eh, hey, je vous ai manqué? Bien sûr que non! Ah, je rigole. C'est du sarcasme, tu m'as manqué. Bon. Enfin, tante Noël est perdue. Non, non, c'est plutôt Noël, elle le bute. C'est parti. Je vais essayer un truc, parce qu'il me manquait une porte. Ah, je peux pas y aller d'ici, ouais, non. Ouais, non, ça peut partir en drame amoureux, mais en théorie, non. Parce qu'il faudrait que Suzy aime Berly, et c'est pas le cas, donc bon. Par contre, est-ce que nos choix, ils peuvent avoir un impact sur leur relation? C'est pas impossible. Tiens, j'ai jamais rencontré lui. Ah, where? Ok, ils lui ont chuchoté un truc. Mais il a fait genre qu'il s'en fout. Attends, oh! Qu'est-ce que c'est que ces mouvements illogiques? Ok, on va essayer d'être dur maintenant. Ah ok, quand on est dur, ça marche bien par contre. Ok, il se moque de nous à un niveau tellement haut qu'on ne peut pas le comprendre. Ah ouais, RLC, il est pas mal maintenant. Hein. Par contre, il va clamser là. J'ai pris tarif. Ah ouais, non, Ralsei il a sur un heal maintenant. Ça, c'est grâce au boss que j'ai vaincu, ça. Splash, il faut vraiment que tu regardes le boss que j'ai vaincu parce que c'était un beau roupier. Ok, une nouvelle recrue. C'est pas la chambre où elle était enfermée. Cette statue est trop classe. Eh, Ralsei, est-ce qu'on peut la prendre dans ma chambre? Ce serait du vol. On a volé la statue? D'accord. Donc si j'avais pas parlé à la statue, on l'aurait jamais ramenée, genre. Genre pire que... C'est différent, je peux pas te dire. Dire c'est un même niveau de démence, clairement, mais je pense que Pe peut-être le clown en vérité m'a rendu plus fort, tu vois ce que je veux dire, non? Ah, ça m'a débloqué les chemins, d'accord. C'est passage secret. Oh, c'est la salle que j'avais pas pu visiter tout à l'heure. La statue de Berdy est dans les chiottes, c'est ça que j'ai raté? D'accord. Moi qui étais intrigué, j'étais oh non, j'ai raté un truc de. Attends, wow, c'est quoi ça? Quand c'est qu'ils vont. Ah ouais, il attend que les chiottes soient libres, il risque d'attendre longtemps.
plage, la façon que j'ai trouvé le clown, on va dire, du chapitre 2, c'était un truc de ouf, quoi. J'ai grave assuré. Ouais, c'est aussi un peu comme ça, Undertale, t'as des boss ultra durs, quand tu les fais, tu t'en sors mieux sur le reste. Bah, je pense que ça m'a un peu habitué au jeu, quoi. J'ai failli clamper ses limites. Ah. Boss final? Putain, j'aurais dû me régénérer. Elle est là. Red. Arrête-toi. Oh, mes petits idiots. Vous arrivez juste à temps pour observer ma domination du monde. Avec Noël en ma possession, ce ne sera qu'un certain nombre de temps. Avant que sa volonté. Ah ouais, avant qu'elle change d'avis, quoi, et en gros, elle utilise tout son pouvoir, effaçant le monde dans lequel on vit. Trop tard, idiote. Noël est avec Berly. Quoi? Alors, dans ce cas-là, qui est cette personne? Berly? Oh merde! Il va se transformer lui aussi? Il a été intercepté. Ah mince! Il peut mettre des contrôles. Ok, tout le monde peut devenir esclave d'elle. Où est Noël? Allez, c'en est assez. Elle nous aime bien. Ce serait une honte si elle nous obligeait à la servir. Ok, je me suis pas régène, donc c'est un peu la merde. On peut pas attaquer Berly? D'accord. Défends-toi. Ok. Il s'en fait un au moins. Ouf. Je vais perdre quelqu'un déjà, parce que je les ai pas régénérés. Ok. On va se défendre pour le moment, parce qu'il faut que je régène un peu toute la famille, comme on dit. Là. D'abord je me mets en... Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Merde. Je vais me noyer? Attends, et son verre est devenu un bouclier? Quoi? Attends, et je peux pas interagir avec Berly encore? Non. Ok, il faut faire des toasts pour qu'elle vide son truc. Mais j'en ai deux low life. Donc on va faire un toast simple. On va se soigner. Et toi, tu peux pas soigner? Non. Est-ce que tu peux pacifier Berly? Non plus. Je vais jouer safe. Hein. Alors, c'est de quoi son attaque? Je me fais attaquer par des trucs qu'il y avait sur les anciens Skyblog. Ok, partons sur un toast. Voilà. Ok, elle va boire son propre... D'accord. Ah, jusqu'à ce que l'internet de la ville a disparu. Est-ce que c'est à cause d'elle ou non? Des fois, je sais pas comment je fais pour éviter ce que j'évite. Ok. Noël qui va l'aider. Qui va répondre à ses tristes recherches sur internet. Mince. Les commentaires sur YouTube. On va faire ça.
Eyes, what I wonder. Ok, c'est ce que je pensais avant que le chevalier apparaisse et crée ce magnifique monde des ténèbres. Ok, il faut soigner Halsey. Oh, dual heal, ça c'est pas mal. Ceci défends-toi. Voilà, wow, le dual heal qui met tout le monde full life, ça fait du bien. Ouais, non. Bien sûr, le dual heal, il le propose pas contre les boss secrets. Bon, c'est quand qu'on sauve Berly là? Oh non, elle refait son shield. J'ai pas fait gaffe aux gens si c'était des gens de la ville du héros ou non. Je pensais avoir compris, mais non. On va pas te laisser contrôler tout le monde avec tes câbles. Wow, quand j'ai dit que j'allais faire ça. Attends, on peut pas se débarrasser de l'autre, non? Non plus. Je vois pas quoi faire là sur le long terme. Ah si, c'est pas le même, attends. Voilà, c'est pas mal du tout ça. D'accord, donc il y a un moment en gros, faudra je... Encore le verre, bordel. C'est une vraie alcoolique. Elle a dit on veut pas en avoir un. Alcool simulator. Ah là, le pouvoir du VIP il est pas là aujourd'hui. Ça heal tout le monde. Ah, elle pense qu'elle a trop bu de batterie. Oups. Ça c'est moi quand je fais des théories sur les Moogle. Ah, c'est peut-être l'acid qui va la vaincre. On a peut-être survécu à ses attaques régulières, mais elle a téléchargé le move ultime de tous les temps. Mince, elle le télécharge. Mince, le téléchargement a échoué. Ok, ça va être compliqué. Il y en a de plus en plus de fils. Ok. Son final move aurait été plus cool, mais l'internet est down, ce qui est logique en soi.
Ah ouais, non, les tornades, c'est pas encore ça. Mais ils sont jamais ensemble. Non, dommage. Plus qu'un. Elle voulait mettre des mèmes et tout dans son attaque finale, genre. Ok. Il est toujours pas libre? Ah, si. Ok, ce n'est pas mauvais. What the? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi mon câble de contrôle ne marche plus? Merci, grâce à l'amitié de mes amis, leur miséricorde. Maintenant, il est moins temps pour moi de prendre ma liberté. What? Queen. Tu peux avoir maîtrisé le numéro 3, mais tu peux pas ouais, tu peux pas tenir face à nous quatre. Running simulation. Ok, simulation de course pour le. Ah non, elle simule un truc pour se affronter 4 gus. Ah, vous avez définitivement kick my ass. Ok, on va la vaincre. Sauf. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une diversion, après elle s'enfuit. Attends une nanoseconde. Pleutre. Pourquoi il s'effondre? Qu'est-ce qui se passe? Berly? Ah. La vérité, c'est que le câble a déjà absorbé toute mon énergie. Ah, la diversion qui marche tout le temps. Putain, il est pas mort quand même. Berly, hey, Berly, est-ce que tu vas bien? Tout devient sombre. Oh, attends, il va pas clamser. Oh, le con. Seul le bisou d'une joueuse magnifique, pourrait me sauver maintenant. Putain, elle va le désintégrer, Berly. Quoi? Est-ce que tu es en train de perdre conscience et tout? Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Ah, désolé. D'un coup, je me sens bien mieux. Ah, super. Va devoir se dépêcher pour sauver Noël, à plus. Ah, chère Suzanne, si énigmatique. Mais je peux lire dans son cœur, Chris, comme dans une barre de vie. Elle s'est en train de biper pour l'amour. Okay. Allez, bonne chance, Chris. Que les intelligents ne soient pas avec vous. Ok. Le bouquet qui voulait tout dire. Chris, what? Ok, il va trouver un moyen de nous aider, il a dit. Bon, j'y crois pas. Y a une douille. Le chevalier. Le chevalier. Aujourd'hui, il a dénigré notre monde avec une main. Avec sa. Ok, donc sa main est allée dans l'essieu. Et. Ah, d'accord, il a mis sa volonté dans une épée, un couteau. Oh, c'est Chris le chevalier? Parce que c'était Chris, c'est à la fin du chapitre 1, il avait un couteau dans sa main. Non, ça peut pas être Chris. Ça serait le couteau de Chris qui permet de faire ça? Malheureusement, le monde qu'il a créé est coincé dans les limites de cette librairie. Seulement, on avait un moyen de faire plus de ténèbres. On serait capable de couvrir le monde entier. Et c'est là où j'ai réalisé que ce pouvoir de volonté, ce pouvoir de la détermination, c'est quelque chose que tous les Lighteners, ouais, que tous les héros de la lumière possèdent. Les gens du. Ok. Ça commence à être grave dangereux. Donc en gros, si t'arrives à avoir un héros de la lumière qui l'aide, elle pourrait faire plus de ténèbres ou augmenter le monde des ténèbres dans le monde réel, quoi. Si seulement l'un d'entre eux était assez déterminé,
Tout le monde pourrait faire une fontaine des ténèbres. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il en a deux, on va voir. Donc si le chevalier... Elle va juste créer un nouveau chevalier en fait. D'accord? Mais il faudrait qu'on l'écoute. Ah, et c'est Noël le chevalier? Comment tu trouves la main géante Noël? Et qu'est-ce que tu penses de la domination mondiale? Oh putain! Ouh, Uchimama! Elle l'a désintégré! Suzy, tu es venue pour me sauver? Je savais que tu allais le... tu savais? Je veux dire... Attends, 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 attends. Vous devez vous enfuir d'ici tout de suite. Pourquoi? Ça va exploser? Non, elle est devenue géante. C'est un Gundam! Ren? On dirait que vous n'avez pas eu du mal à remarquer. Merde, c'est dans le château. Si. C'est pas bon. Elle est invincible comme ça. Elle n'a pas arrêté de se la raconter sur sa forme finale. Tu penses que grandir va t'aider? Oui. Oh putain, l'acide. Alors, est-ce que c'est cool pour qu'on domine le monde? Suzy, abandonne. Comme si j'allais abandonner maintenant. Suzy? Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à faire si t'as une autre forme? On en a une, nous aussi. Rhys, Ralsei, allons-y. Oh putain, ils vont faire genre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est notre forme ultime. Attends une seconde. Maintenant que tu fais mention. Oh non, il semblerait que nous soyons égalité. J'espère que vous ne le prendrez pas mal si je ne retiens pas mes coups. Oh putain, on est mort? On est en train de tomber. Une idée sur comment sortir de ce merdier? On pourrait essayer de bouger nos bras pour... Ne vous inquiétez pas! Votre chevalier en herbure étincelante dans l'été... Ah non. Votre chevalier... Dans son armure des ténèbres étincelantes est là. Berly? Putain, pour une fois, il est utile, lui. Rhys, Suzy! Mon énergie est encore trop faible pour vous aider au combat. Alors, j'ai trouvé de l'aide pour vous. Voici les camarades. Dans votre quête contre la reine, vous vous êtes fait plein de potes, n'est-ce pas? En utilisant nos junk making skills, on a modifié tout le monde pour travailler ensemble. Oh putain, il y a tout le monde. Rhys, Suzy. Voici le groupe ultime de travail. Oh mon dieu! Les meilleures images! Les meilleures lumières! Happy, Bravari, je sais pas. des bruitchats. L'énergie des... Oh, l'énergie des petits Farby! Des bruits de souris. De l'amour. Des plats frais. De l'organisation. Et par-dessus tout, cette chose, quelle que soit... quelle que soit cette chose. Attends, ça fait vraiment... Non. C'est du mytho, ils sont tous collés ensemble. Attends, mais si j'avais fait un génocidaire, j'aurais jamais eu le robot, là. What the fuck? Enfin. Un adversaire... de taille. Oh putain. Elle bloque le chemin. Fire mode, mince, je peux pas. Donc je crois que je dois attaquer là, mais ça la tuera pas non, vu que c'est un robot. Le temps des paroles est révolu. Maintenant, c'est le temps des mots. M-A-U-X. Ok, la nuit est encore... jeune? Non. Il fait encore tôt pour se battre? Je ne sais pas. On va se défendre un coup. Ah, je rigolais. Continue à monologuer et taper ta tronche. Ah, toujours la bibine. Je vais perdre.
Ça y est, je peux faire self-fix, ça va me soigner. Et turbo dodge, ça augmente mon truc. Mais je vais d'abord me soigner. Ah mince, mais ça me coûtera plus cher pour me soigner. Oh, pas super saiyan là. Attends, j'ai renvoyé son attaque. Ah non. Bah attends, elle a encore 2 barres de vie. On va augmenter... Voilà. On va mieux éviter ses attaques maintenant. Oh. Elle pense qu'en gros, Noël, avec une épée, elle pourrait créer une nouvelle fontaine des ténèbres. Et encore une autre, et encore une autre. Mais elle a encore 2 barres de vie, là, les deux petits carrés verts. Je peux pas l'épargner, on dirait. Et voilà, une barre de vie en moins. Oh merde, c'est vénère. Ouais, je pourrais mieux éviter, mais je vais me défendre. Tiens, je vais essayer de l'épargner. Mais son nom n'est pas en... Ok. Elle voudrait que Suzy et Chris l'aident à créer le monde de leur rêve. Ah, elle fait un double coup maintenant. D'accord. Faut que je me soigne. Suzy. Ok. Oh là là, je prends tarif. Je peux pas le turbo dodge. Ok, elle se souvient pas de ce que Chris aime. Attends, je... On peut toujours pas se soigner, ça va être chaud patate. Je vais peut-être perdre. Eh, hey, y avait pas un troisième Gus? Elles sont... Ah merde. Elles sont même pas de Ralsei. Soigne. Ok, si on la rejoint, on sera tous super forts et super cool. Elle a pas besoin de s'améliorer parce qu'elle est déjà parfaite. Ah ouais, le double coup de pied, j'ai oublié. J'ai pas un objet pour me soigner? Ah si. Ok. Maintenant elle a dit je pense que j'en ai assez dit. Je vais continuer à redire les mêmes choses quoi. Ah ouais, elle m'a mis une raclée là. On va augmenter les esquives mais bon. Elle va boucler son texte. Et j'ai perdu. Donc je dois tout recommencer? Ouais. Tiens, c'est pas le même écran, Fight Again. Non, je peux pas me heal. Enfin, ça augmente de plus en plus en gros. À la place, je vais augmenter mon dodge. Comme ça, j'éviterai de mieux en mieux, je pense, je crois. Attends, j'ai pas regardé parce que j'ai un troisième truc, mais je sais pas c'est quoi. Ouais, ouais, et sachant qu'elle devient de plus en plus forte. Donc la troisième de barre de vie, elle va être encore plus rapide ou plus... Fire mode. Power, l'attaque. Ok, bon, on va faire ça. Je vais tenter d'avoir le fire mode.
On va remonter notre DPS. What? Ok, je savais pas qu'il y avait eu mettre une golden par contre. J'ai mis des grosses patates quand même. Ah, fire mode. Ok, il va falloir que je me soigne un peu malheureusement. Attention, forme finale. Là, ça va être dangereux. Ça, j'ai pas compris, je vais juste éviter, je crois. Attends, elle me met une vraie raille. Elle est en train de me déglinguer la gueule. Elle est en train de m'effacer la tronche. Ah bah c'est pas, je suis dans l'air de beau drap là. Quand elle est milieu, faut que je me baisse et sur les côtés, d'accord. Je me demande si j'ai vu le canard, peut-être j'aurais pas eu la même tête.
vous avez prouvé être des adversaires redoutables. Vous avez gagné le droit de vous rappeler de ce combat. Et que je vais vous casser la gueule. Ok, avec mon attaque finale. Ah bye. Oh non, il me reste beaucoup de PV. Il me reste 40, genre. Non, je vais devoir tout refaire. Oh le troll. Putain. Si j'ai ici, je me serais régène, quoi. C'est reparti. Je pense pas que je vais y arriver. Oh, oh.
Oh non, on l'a vaincu. Ouais, non, je compte, mais malheureusement, en fait, j'appuie trop vite des fois entre les deux. Écoutez bien, on m'est peut-être battu, mais je possède toujours une autre chose, merci Splash, que vous trois, vous n'aurez jamais. Oh putain. Des mains. Oh mon dieu, elle va me tuer à la mode Goldorak. Mince, j'ai pas pu appuyer. Noël. Chérie. 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 Enfin, elle le dit dans différents trucs, quoi. J'allais pas dire mon miel et tout. Merde. Ok, elle veut qu'elle fasse une autre fontaine. Voilà, pour créer un empire. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de... Qu'est-ce qui... Je sais que ça te rendra joyeuse. Oh, est-ce qu'avec le dernier pourcent de ma batterie, je devrais écraser Suzy en 8 bits? Laisse Suzy alone, elle va dire ça. Laisse Suzy tranquille. Tu penses que t'écouter me rend heureuse? Non. Je ne serai jamais heureuse, pas si je suis contrôlée par toi. Est-ce que... Pourquoi tu ne comprends pas ça? Non, non, quoi? Ça va s'arrêter comme ça? Noël? Peut-être que mes calculs étaient mauvais. Noël? Choisis de vivre dans le monde qui va te rendre heureuse. Ok. Reine? Reine? Reine, est-ce que tu es ok? On dirait qu'elle n'a plus de batterie. On va pouvoir fermer la fontaine maintenant, n'est-ce pas tout le monde? Ouais. Tout le monde? Y'a un problème. Reine, elle a dit, choisis le monde ce qui te rend heureuse. Je ne veux pas vivre dans un monde contrôlé par elle, mais si ce n'est pas le cas, je me demande si ce monde ne serait pas si mal. Ah, en gros, vivre dans ce monde, mais sans reine? Le Dark World. Suzy, tu ne penses pas toi aussi? Maintenant que tu le dis, Chris, est-ce que ce monde n'est pas meilleur? On pourrait faire tellement d'amis ici, tu sais. J'ai jamais eu une aventure comme ça auparavant. Avec des âges, des batailles, de la magie. Où tout peut être soigné grâce à un petit sort. Et quoi qu'il arrive, personne ne dit quoi faire. Ouais. Même si les choses sont vraiment flippantes, Putain, il va donner. Donc il n'y a aucune raison pour... Aucune raison à laquelle je peux penser. Moi non plus. Alors Noël, voici ma vraie excuse. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de concentrer sa volonté pour créer cette arme. Il va créer une nouvelle fontaine? Oh le con, ça va être ça le chapitre 3. Et il va créer un futur brillant. Merde, il va créer une fontaine. Un futur qui brillera pour nous. Un futur où ça brillera à partir des ténèbres. Stop! What? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, je pensais que... Stop. Stop. Est-ce que tu réalises vraiment ce qui va se passer si tu fais ça? Il va se passer quoi? Tu vas amener le The Roaring. Je sais pas c'est quoi The Roaring. Roar, c'est un cri, genre un hurlement. Ils avaient dit le Knight, The Roaring Knight. Le chevalier qui hurle. Ça doit être un truc comme ça. Ou ça doit dire autre chose. Attends. Oh putain, c'est une histoire. Quand la lumière était entourée par les ténèbres, je suppose. Quand la fontaine allait jusqu'aux cieux. Quand les fontaines, pardon. Tout allait sombrer dans le chaos. Eh, le chaos! Comme le clown et le boss optionnel de ce chapitre. Les titans vont prendre forme à partir des fontaines. Oh putain, ça fout la merde en gros.
Ils vont envelopper le monde dans la dévastation. D'accord, ils vont détruire le monde en gros. En gros, s'il y a trop de fontaines des ténèbres, il y a des titans qui apparaissent pour détruire le monde. Ok. Les survivants des ténèbres ont été, attends, ont été écrasés par les ténèbres. Ils vont petit à petit, un par un, se transformer en statues, laissant les héros, enfin les gus du monde de la lumière se défendent par eux-mêmes. Et ils seront perdus dans une nuit éternelle. Ouais, en gros, faut maintenir l'équilibre. Pourquoi tu peux pas enlever tous les ténèbres, mais pas toutes les. D'accord. C'est ça ton idée du paradis? Mais c'est le chevalier qui vient briser cet équilibre, et briser l'équilibre, ça crée le chaos. Le chaos étant comme le clown ou le boss, d'accord. En fait, ils sont possédés par le chaos. Oh, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Mais ton plan était de. Je suis juste un ordinateur. Ah, je ne sais pas tout. Je devinais juste par rapport aux actions du chevalier. Pourquoi je voudrais détruire le monde? Elle voulait le conquérir, c'est vrai, pas le détruire. Je suis désolé, Jojo. Après tout, je t'ai encore causé des soucis, Noël. C'est ok, Berly, je comprends. J'ai pensé à ça pendant que je rechargeais ma batterie. Eh attends, contrairement au père de Lancer, elle a l'air d'être cool, elle, non? Tu ne peux pas calculer les sentiments des autres personnes. Tu as compris ce que je ressens. Mais attends, c'est-à-dire si je l'avais tué, il y aurait eu quoi comme fin? Bah, je suis perdu. Non, je ne veux. Mais à mon avis, peut-être si je les épargne à la fin du jeu, ils viennent tous m'aider. Genre, ça va être Lightners et Darkners ensemble. Je veux pas que Noël soit triste. Ouais, elle est plus sympa, quoi. Elle a pas essayé de balancer son fils. Je suis content. Elle est contente que les deux la comprennent. Après tout, on faisait une bonne équipe. Est-ce que tu peux nous relâcher maintenant? Ah oui. Ah merde! Elle est là. Suzy! Tu as tenu tête à la reine. Pas mal. Vraiment? Ouais. Mais je pense que tu as besoin de réveiller. Quoi? Tout est devenu tellement intense que j'oublie que c'est un rêve. Alors j'espère que j'aurai d'autres rêves comme ça. Et à mon avis, ouais. Il y aura sûrement d'autres personnes de la ville dans les prochains chapitres. Quand tu te réveilleras, je vais juste te dire. Putain. Ok, il est temps pour vous de partir. Thunder goodbye. Thunder goodbye, ex. Je suis mort. Chacun d'entre vous va manquer. Noël, pour ton honnêteté. Suzy, pour ton courage. Chris, parce que t'es chill. Burley, Burley. Ce n'a pas la peine que ce soit un adieu, reine. Chris peut nous amener à notre château. Mais ils vont pas se transformer en statues là-bas? Ok, toi et toutes tes recrues peuvent vivre là-bas. Oh. Ok. Ok, il est temps de faire ce pourquoi on est venu. Hey, Noël. Si tu vois la vraie Suzy, juste. Peut-être que. Écoute, elle n'a pas de queue, ok? Ok, j'ai compris. Allons-y, Chris. Chris, il est poussé comme un chariot. On va éteindre la fontaine. C'est-à-dire, le chevalier, il arrête pas de créer des fontaines. Avec un couteau magique, ou je sais pas s'il met sa volonté dans le couteau ou si c'est un couteau magique en gros. Chris. Et le chevalier, c'est lui qui a corrompu le reste. Genre le clown et tout. On dirait qu'on est ici de nouveau ensemble. The Roaring Knight. Le chevalier hurlant, je crois. Quoi qu'il soit, il est en train de créer ses fontaines. Ah, chevalier au pluriel. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose? Depuis qu'ils ont commencé à se montrer, les fontaines, je crois, tout le monde est devenu beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas à penser à ça pour le moment. Chris, c'est à ton tour.
Ah, ça va expliquer. C'est peut-être pour ça que Chris il peut fermer les fontaines, parce que c'est lui qui les crée. Tu vois, c'est comme si ta soul était en train de briller elle-même. Le cœur, tu vois? Le cœur, il était apparu, et c'est pour ça que je disais le pouvoir du pipi. Parce que le cœur était apparu contre le boss optionnel, et il me défendait. Mais il était en or, genre. Et je balançais des gouttes d'or. Donc, une autre fontaine. C'est-à-dire, au chapitre 3, il y aura une autre fontaine dans un autre lieu de la ville? Oh. Que s'est-il passé? Oh, c'est un rêve, n'est-ce pas? Un rêve? Tout ça était un rêve. Bien sûr, ça ne pouvait être qu'un rêve. De telles pensées, de tels sentiments. À dire que je pouvais penser que Suzy allait. Suzy? Suzy? Qu'est-ce que tu fais là? Étais pour étudier, rappelle-toi. Ah oui, je m'en souviens. Quoi? Étudier avec eux? Noël! Ils sont. Il a changé. Tiens, le téléphone. Ouais, c'est l'heure de rentrer. Il y a un shift. Ah, il travaille avec Madame Baume. Ah, il est si tard. Adieu tout le monde. Je dois réunir mes affaires. Il aime la texture des bouquins. Ok. Dépêchons-nous, ma chère Noël. Ok. On n'a toujours pas avancé sur notre projet, nous. Bonne journée, Chris, Suzy. Bon, au revoir, Chris. Et au revoir, Suzy. Ouais, à la prochaine. Ah, elle va s'arrêter de dire un truc. Ah, non, elle a pas une queue. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de regarder quelque chose? Oh, la pauvre, elle s'enfuit rien. Au revoir. Mais ça m'étonne. C'est-à-dire, Alcée, il reste dans le monde des ténèbres. Comment ça se passe? Parce que eux, ça les a expulsés, mais pas Ralsei. Ah, c'est chelou. C'est quoi son problème, elle? C'est pas une manière de traiter quelqu'un qui vient de sauver le monde. Chris, c'est. On vient de sauver le monde, n'est-ce pas? D'une certaine manière, oui, parce que la reine, elle aurait étendu, je pense. On est vraiment des héros, et personne ne le sait. Je suppose que c'est meilleur ainsi. Les gens auraient peur s'ils savaient que le monde était en danger. C'est dommage que Noël doit éviter aussi. Et oublier, pardon. Bref, partons d'ici. Je pense que c'est un cas à part. Possible. Mais c'est bizarre quand même. Parce que c'est pas un Dark Nurse, mais c'est pas un Light Nurse aussi. Avant que vous partez, vous avez tout réuni dans la salle. Ça veut dire quoi ça? Où j'ai tout rangé là? Oh putain, c'est quoi ça? J'aime lire des bouquins. Surtout les bouquins en haut. Il va se passer un truc. Ouais, il est tard, n'est-ce pas? Et je suppose qu'il est temps pour toi d'entrer à la maison. Très bien, pas besoin de le lire. Elle va me raccompagner? Tu veux pas rentrer toute seule, hein? Ah bah cool. Allons-y. Je reviens, attends, je vais voir si je peux pas repasser dans l'ancien Dark World et voir s'il y a les personnages. Ah, l'école doit être fermée. Ah non. On va voir si Ralsei est dans l'autre monde, si je peux y aller. Ah si, je peux. Ok. Elle est pas en statue? Donc c'est ça votre Castle Town? Eh ben ça va pouvoir devenir l'amiral Lancer. Je pense à chaque fois il y aura un Gus bleu comme ça, c'est pas mauvais. Et Suzy, au nom de toutes les personnes que j'ai oppressées, merci. Oh merde, elle va être notre roommate maintenant. Notre coloc. Attends, mais quoi? Il est là, lui? D'accord. Il apparaît, disparaît. Chris, je parais que tu dois parler à un paquet de personnes. Mais t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Sauvegarde. Ok. Et je sauvegarde où? Au nord?
Oh, le Furby, c'est dire d'accord, à la fin du jeu, genre ici, c'est des trucs ultra remplis. Tu réfléchis à comment tu peux plus retourner dans le cyber truc? Ah ouais. Save. Voilà. Mais pourquoi ils sont pas en statue? Est-ce que ce Dark World est spécial alors? Oh, quelle place magnifique, merci. Ah ouais, ça va devenir immense en vrai. Ce café est super, ouais. Un café pour avec des animaux? Ah, pas bête. Je pourrais être l'un des animaux aussi, d'accord, merci. Je vais pas parler à tout le monde, je pense. Il a trouvé un drôle de hooligan. Ils l'ont sorti? D'accord. Est-ce que ça serait pas Lancer? Oh merde! Attends. Check Recruits. Ils ont des levels, d'accord. Ça va avoir une importance, cette histoire de level. Je vais voir les recommandations. Vanilla Green Tea. Ah, Lancer, il est en vie. Salut, je suis chef Lancer. Non, c'est lui, le hooligan. Il veut lui faire des cookies. 0$, merci. Ah, j'en ai déjà pris, d'accord. Ah, il est encore en train de se soigner. D'accord, donc ils ont été régénérés, lui et sûrement le baron, machin chouette là. Oh non, l'autre il est toujours avec la prise. Hey, attends, j'ai un deuxième sous le cristal. Et le premier, il a été pris. Ah, il aime garder cette forme. Il a été pris par le chat. Attends, si je vais voir le chat, il va peut-être me parler. Tu as réussi à trouver un autre chat de cristal. Le salesman, ouais, le vendeur là, avait trouvé le cristal dans une ancienne machine. Ouais, c'est un type que j'ai dû vaincre. Je me demande, il fait un son gago. Je me demande si auparavant cette machine était importante pour quelqu'un. Ah, si c'était une machine qui était importante pour quelqu'un du monde de la lumière. C'est dommage qu'un Darkner ait essayé de voler ce pouvoir. Oh, peut-être que non. Car grâce à ça, tu as trouvé un autre cristal. Laisse-moi le tenir pour toi. Ok, donc là, il a deux cristaux. Il va y avoir une douille avec ces cristaux. Oh, les Kirby! La petite balle, elle a le chapeau de l'autre. Attends, et ça, c'est la porte qu'on peut toujours pas ouvrir? C'est derrière qu'il doit avoir la fontaine des ténèbres de ce monde. Ah ouais, la statue qu'on a volée, elle est là. Je me demande s'il y a une statue dans chaque chapitre à débloquer, genre. Oh, la chambre de l'un de ses... Oh, attends, il y a la mère à l'un. Enfin, je dis que c'est sa mère, mais bon. C'est Zikris. Ouais. Queen, elle m'apprend plein de choses pour être un méchant. She's like. Elle est comme un troisième père pour moi. Mais attends, ce qu'est le deuxième père? A girl dad, if you will. You mean a mom? Girl dad, je suis mort. Un papa fille. Putain. Ouais, c'est comme une mère pour lui. C'est-à-dire, il aura des frères et sœurs peut-être dans les prochains chapitres? Bah c'est super, ils vont fonder une famille comme ça. Et donc la reine, lui, le roi. Tiens, le roi, je vais aller voir ce qu'il raconte. Mais peut-être battu, mais
Vous avez rencontré quelqu'un de beaucoup plus flippant, bien plus tyrannique que vous ne pouvez l'imaginer. Queen, on l'a déjà rencontré. Quoi? Attends, comment il peut la connaître? Ils se connaissent? Oh, une roue de hamster. Alors toi aussi, tu es venu pour m'humilier? Non, je suis sérieux, c'est cool. Oh putain. Cette bouteille d'eau, par contre... Ne parle pas de la bouteille d'eau royale. C'est rien comparé à celle que j'ai dans mon manoir. Matérialistique comme toujours. Il parle des femmes là ou quoi? Matérialisme et value. Ok, elle a refusé ça. Je me donne seulement le traitement que je mérite. Tu dors en boule sur un trône sale chaque jour. Stop! Quel est ton but ici? Je voulais juste transmettre un message. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos de Lancer. Je vais prendre soin de lui à partir de maintenant. Eh, c'est... Après tout, je suis... Sa mère? Depuis quand ça a été décidé? Arbitrairement maintenant. Non. Fais ce que tu veux avec le garçon. Eh, mais ça m'intrigue, c'est-à-dire si je l'avais... Si je les avais tués, il se serait passé quoi? Oh, le bourbier. Mais imagine demain, je fais genre pacifique et génocidaire. C'est-à-dire genre, je peux avoir certains... c'est un bourbier. Il y a trop de possibilités dans le jeu, en vrai. Entre tuer tout le monde, épargner tout le monde, et en épargner certains, quoi. Mais s'il pleure... Ok, fais-le rebondir comme une balle. Je pense qu'il est temps de terminer cette conversation, comme tu le souhaites. Wow. Désolé, mon roi. J'imagine qu'en génocidaire, t'aurais un truc complètement différent. Bah ouais, ça serait beaucoup moins pis. Et Ralsei, je me demande quelle aurait été sa réaction. Qui était-ce? C'était mon... Le père moins père de mon fils. Je peux pas calculer quelqu'un qui est inférieur... moins que toi. Oh la gamine. Dégage! Bye bye, roi. En gros, elle pouvait pas diviser par zéro, quoi. Est-ce que tu veux quelque chose du magasin? Cashew, je sais pas ce qu'est Cashew. Ok, elle va lui acheter des trucs, super. À mon avis, à la fin du jeu, ils vont tous céder, et je pense que derrière, il doit y avoir une fontaine spéciale. Tiens. Elle sait qu'il y a un... Enfin... What? Il savait qu'il y a un bout de gâteau dans le frigo chez Suzy. On va partir. Merci, ouais... C'est presque aussi bien que celle qu'il a fait dans Minecraft. Bizarre parce que depuis la fin du chapitre 1, je vois plus du tout Chris pareil. Dans quel sens? Oh! Et toutes les musiques du jeu? La musique de Lancer? Attends! La musique de l'escro là? Oh, c'est pas mal ça! Ah oui. Lanterne, c'était contre l'autre là. Lancer? Ouais. Ouais, ils aiment bien la ville. Mais c'est pas mal, hein. Ça devient une super ville à la fin du jeu, je pense.
Roro, à chaque fois qu'on épargne quelqu'un, il nous dit au revoir. Donc lui, en fait, il décide de rester, peut-être de lui-même, d'accord. Il n'y a plus embouteillage. On va voir si Noël est... Oh, c'est quoi ça? Hey! Ah, j'ai sauvegardé. Splash! Est-ce que ça serait pas eux les chevaliers qui foutent, qui créent les fontaines à chaque fois? Ok, c'est cool de s'amuser quand on est un enfant. La mairie. Je crois que j'ai pas. Oh mon Dieu! Ok. Je suis pas Thierry, je suis Thierry, je suis super cool. Ok. Oh Thierry, say it again. Dis que tu dois pas aller encore. On dirait Riri, les neveux de Donald Duck. Tiens, attends, j'ai Suzy avec moi. Oh, c'est quoi ça? Riz, bienvenue. Est-ce que tu cherches quelque chose? Asriel. Ah, ton frère est très sympa. Un peu trop vers, trop zélé dans ses jours de ses, quand il était jeune. Il venait confesser ses péchés. Malgré l'absence de péché ou de confession dans notre religion. Quand il a avoué qu'il a jeté un lézard. Ok. Il a fait la même dans un jeu vidéo. Ah, il s'est confessé aussi pour son frère, d'accord. Je te fais juste remarquer, tu vois le vif d'or au-dessus du cimetière, c'est le même symbole que sur le Deltarune. Il y avait le même symbole en haut de l'église. Est-ce que Noël elle a rendu visite à son père? Ouais. Silver Drake, j'avais jamais battu de boss avant. Ok, rends-moi ça, je vais m'occuper de ma fille. Non, papa, c'est mon tour, c'est ma bataille. Tu me disais. Et si tu essaies, Fire Shock. Je sais pas, ça doit être une technique. J'aimerais, papa, mais le mage a quitté la partie. L'équipe. Alors, l'une de tes 99 Blaze Potions. Non, je les épargne. Pourquoi? Pour ton anniversaire. Allez, juste une. Ok, papa, celle-là, elle est pour toi. Iya! Oh non, ça renvoie les dommages de feu. Ha, oups. Va falloir te soigner. Si seulement je savais. Ah, oh, la pauvre. Elle pouvait soigner dans le Super World, mais pas ici. Elle aurait pu soigner son père. Elle aurait pu soigner son père. Et il n'y aurait pas que elle et sa mère à la maison. Ta mère, oui. Hey. C'est rien, hein, je commence à me sentir mieux. Je pourrais même aller à l'église demain. Vraiment? T'es sûr de toi? T'es ok? Ok. Je dois rentrer à la maison, sinon maman va appeler. Elle a pas remarqué qu'il y a Suzy et l'autre. À demain, ma fille. Bye, papa, au revoir. Suzy, qu'est-ce que tu fais là? Désolé, c'est juste un jeu à un seul joueur. Papa, c'est Suzy. Oh, c'est Suzy. Suzy, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais? Cool, je pense que je dois y aller maintenant. Ouais. Suzy, hein? Oui. Oh putain, elle y pose un doigt sur elle et je vais te casser la gueule. Hein? Ah, je rigole. Enfin, une façon de rigoler. Désolé, je. J'ai utilisé trop de. Ok, trop d'énergie. Ça va être très cool de me parler. Merci de m'avoir visité cependant. Et merci Suzy. Tiens, Suzy. Et Chris, c'est une fille sympa, je crois. Pourquoi tu l'as amenée ici? Pourquoi tu l'amènerais pas voir un film? Eh ouais. Pourquoi on n'est pas allé voir un film, Chris? Ouais, amenez-moi aussi tant que vous y êtes. Ouais, Chris, allez. Putain, pauvre Chris. Il n'y a jamais personne. Ah tiens, c'est quoi ça?
Elle repose sa voix, d'accord. Oh, Alphys, je vais pas aller plus loin. J'ai pas envie d'être banni de l'école. J'ai pas envie d'être banni en dehors de l'école aussi. C'est bon. Ok. D'accord. En gros, elle avance pas plus loin. Ok. Iris, ton projet est terminé? Ah, mon vélo, eh bien. J'ai eu un petit accident. Tu vois, il y avait la femme policier et. C'est compliqué. Complain about police. Chris, ce n'est pas un secret que la police dans cette ville est. Comment dire ça? Et Candy, je sais pas comment traduire ça. Je veux dire qu'ils sont symboliques, ils ne font quasiment rien. Parce que le maire, il n'y a aucun crime. Je me demande même si on a besoin de la police ou si c'est. Après tout, c'est ta voisine, n'est-ce pas? Ah, Ondine, ma voisine. Tiens, il y a des gens en tôle. Pour une ville sans crime. Doc Burglar. Ok, des cambrioleurs chiens. Les wet nose, c'est quoi? Les nez mouillés. Les bandits nez mouillés. Quand même, ils ont eu peur, ils ont couru dans les bras d'Ondine. Ok. Maintenant, on est en tôle, mais au moins on est vivant. Hey, en dehors de la route. Ah, désolé, c'est une mauvaise habitude. Je peux faire quelque chose pour toi, Punk? Dark World, on va essayer. Quoi? Un monde alternatif dangereux dans la librairie? Ah, mais non, il n'existe plus, Chris. D'autres sont en train d'apparaître, les gens pourraient tomber dedans. Écoute, petit. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Dark World? Franchement. Oh putain, merde! Ils vont pouvoir s'échapper. Et revenez! On va devoir les recapturer à nouveau. Yellow Glass Lady, c'est qui ça? Une meuf? Ok, une femme qui a des cheveux jaunes. Non, des. Ah non, Alfie! C'est ton prof? Elle a eu un accident plus tôt avec son vélo. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Donc donne-lui ça. Ok. Des bancs, ok. Ok. C'est le fantôme qui leur donne les trucs. Il va sonner là. C'est un mixtape. Oh, je suis mort. C'est ça les sirènes. Asgore Tremur a été. Asgore, c'est pas le nom du père du Gus? Il était dans la police? Là, je peux pas te donner le bonbon? Ah non, j'ai mal parlé, je crois. Ah, j'aurais pu le garder en vrai, mais tant pis, je veux pas tricher. Je ne peux pas accepter ça. Ah oui, parce que je suis un étudiant. Ah, c'est de la police. Tu veux dire, elle me donne ça? Eh bien. Il y a une note qui dit: ouvre ça et je t'arrête, petit punk. Chris, dis-lui que j'apprécie. Ok. Allez, Suzy.
C'est compliqué de rien rater dans le jeu quand même. Ok, mais elle veut pas venir dans là-dedans. Cathy travaille et ne l'aime pas. Alors qu'elle a pris le chapeau de Jogboy un jour, d'accord. Donc elle me suit pas. C'est qui Cathy? Ah, ça doit être le chat. C'est toi? Non. Ah, c'est le chat en dessous, je viens de comprendre, ok. Oh, sa famille qui la soutient seulement. Jokington. Ok. Ah, c'est le chapeau de la petite bête là. Precious Boy. D'accord, Suzy elle a volé son chapeau un jour. C'est un super parking ici. Ok. Oh mon dieu. Double ice pizza. Ok. Pizza gelée. Oh putain, il a dit la pizza est rouge, rouge comme mon sang. Oh, moi le warrior, moi le guerrier. Putain. Ce monde me fait peur. Il m'avait pas dit que je devais aider son frère ou son cousin ou je sais pas quoi lui. Quoi ça, ça? Ok. Eh, hey, la mère de Chris. Eh, hey, tu as oublié quelque chose? Oui, je pense que j'ai oublié, mais ce counter. À la caisse? Your excuse. Oh le jeu de mots. Putain Splash c'est ton pote là. Ce jeu de mots c'était toi. I expect a lot from you. Ça je peux pas le traduire. Ils font des jeux de mots avec les yeux quoi. Oh putain. Enfin. Ne m'oublie pas ton mari. Salut Asgore. Donc Asgore était dans les flics avant en théorie. Je m'attendais pas à te voir ici. J'ai quelques fleurs en plus et je me disais. Oh, je suis juste en train d'y aller actuellement. Ok, ah, sûr. Putain, ils ont divorcé ou quoi? C'est quoi le souci entre les deux? Quand Asriel rentre à la maison. Oh mon dieu, ils vont divorcer. Quand Asriel il va rentrer à la maison, ils vont discuter de quelque chose tous ensemble. Dis bonjour à Chris pour moi. Donc quand Asriel y rentre, ils vont parler d'un truc et je pense que c'est le divorce. Tu sais ce que je veux, squelette, oui. Des concombres gratuits. Est-ce que je peux demander? Quel type de fleur je devrais lui donner pour qu'elle se rappelle quand elle m'aimait avant? Il lui a dit ça. Maintenant, peut-être que tu devrais parler comme ça à tes plantes. C'est un connard, pardon. Ah, t'inquiète pas. C'est les premières à qui j'ai demandé. Ça s'écoute bien, tu sais, les fleurs. Ouais, rien de mieux qu'une audience captive. Ouais, je garde mieux derrière un verre. Enfin, une glace, quoi. J'aime ce film. Ouais, c'est très similaire à ce film. Hey, Chris. Mais tu m'étonnes que Chris pète les plombs, son frère il est pas là, sa mère elle divorce et tout. Je devais pas voir ton frère toi. Pas de soucis. On rencontrera un autre jour. Peut-être quand Asriel rentrera à la maison, d'accord. C'est peut-être pour ça que Ralsei c'est Asriel. Mais après je pense que Chris l'aurait reconnu. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est dans le Dark World, pour ne pas. Pour éviter le divorce de ses parents. C'est quelque chose qui le stresse ou une connerie comme ça. Vous venez de la librairie, vous, hein?
Étudier, c'est merveilleux. Personnellement, je déteste les librairies, mais ok. Knock knock. Les librairies sont dépassées. On a des choses comme les newspapers maintenant. Les journaux. Oh, est-ce que c'est un humain? Est-ce que les humains sont faits à partir de squelettes? D'où vient leur squelette? Oh, putain. Ouais, c'était la rue où l'autre elle buvait du lait là. Oh. Sneakers. Eh, l'île Chrissy. Pizza Pants, ouais. Il a une petite amie super mignonne. C'est quoi son nom? Pizzarina? Ah ouais, d'accord, elle va être tranquille, ok, cool. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Chris? On va à ta maison, hein. Ouais, j'espère il va l'inviter, non? Pour au moins il aura un ami. Je sais pas s'il a des amis, ce personnage. J'ai pas tapé un sprint de fou, là? Là, non, ils sont tous au resto. Oh, une petite nounouille triste. Rubit, Rubit. Mon frère est trop vieux pour marcher à présent. Blooky, il n'est pas là. Ok. Sauf si vous cherchez quelqu'un d'autre. On va dire quelqu'un d'autre, comme ça, Blooky est là. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour moi? Ah, c'est vous encore, chérie, quoi. Est-ce que tu es un fan? Comme si quelqu'un pourrait être un fan de personne comme moi. Ah ouais, la Renault Hermite, bien vu. Ah, ils ont toujours pas récupéré l'internet. Ok, donc demain, si j'ai quelque chose d'intéressant, il faut que je l'amène demain. Ok, cool. Je vais acheter des fleurs, mais le magasin est fermé. Je me demande si j'étais venu voir le magasin de fleurs avant, est-ce qu'il aurait été ouvert? Je sais pas. Il y avait la créature du lac là. Ah bah ouais, Suzy, elle l'avait pas vue. Hé, je pensais t'avoir dit de venir tout seul. C'est quoi? Je vais pas chercher. Ah ouais, d'accord, Suzy, elle a pas cherché à savoir. Hé, hey, Crisper, tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué toute la journée. Bien sûr, ouais, tu m'as manqué, Onion Boy. Mon existence est enfin reconnue. Ça fait du bien à l'entendre. Tu es mon ami, tu sais. Comme tu es mon ami, est-ce que tu entends un secret? Vas-y. Des fois, j'entends une musique la nuit. Une petite partie de la musique. C'est comme si ça venait en dessous de l'eau très profondément. C'est un indice ça ou... Est-ce que tu penses que quelqu'un est en train... Eh, bouh! Salut Sarah! Est-ce que quelqu'un est en train d'auditionner pour mon groupe? Je vais me faire bientôt un nouvel ami. Sarah, j'ai bientôt terminé. On va voir si Chris va faire une nouvelle crise. Tu vas bien Sarah? Il va se faire un autre ami. Ouais, je veux bien écouter un autre secret. Je pense, peut-être. Yo, salut Vivio. J'ai entendu cette musique avant, venant de la mer. Toute la musique. Ce n'est pas une nouvelle musique, mais je ne m'en rappelle plus, je ne peux plus me rappeler. Hey, bienvenue Vivio. Enfin, pourquoi je t'appelle Vivio? Viv10. Ok, donc demain il aura des réponses pour moi. Oignon est sur l'affaire. C'est mon nom, n'est-ce pas? La prochaine Kiss. Je suis là seulement pour Chris et Chris. Vas-y, on est bientôt à sa maison, t'inquiète pas. Hey Chris. Est-ce que tu fais des trucs aussi bizarres chaque jour après en rentrant de l'école? Ceci, elle voulait juste me raccompagner, j'ai fait plein de bêtises. Vivio, c'était bien.
La crise de Chris. Sarah, je crois, les parents de Chris, ils vont peut-être divorcer parce qu'ils se sont rencontrés au supermarché. Et genre, ils ont dit quand le frère de Chris, il va rentrer, ils vont réunir les enfants pour parler. Et comme ils vivent pas sous le même toit, je pense que c'est peut-être un divorce. Suji, je sais pas où elle habite. C'est pas la première fois que je remets que c'est un pseudo. Voilà, Suzy, elle la ramène. Vas-y, j'espère il va ramener Suzy chez lui un peu. Je vais être honnête, je comptais te faire une blague pas très sympa à base de jeux de mots foireux, bas noir, mais t'as l'air sympa, donc je le fais pas. Ah, merci beaucoup, Vivio. Très sympa. Chris, tu rentres chez toi? Oui. Très bien. Attends, on rentre boire un truc. Bon bah, je suppose que je vais te dire au revoir pour aujourd'hui. À demain, Chris. Attends, on peut pas l'inviter! Ah, tiens! Chris, comment se passe? Tu as bien étudié avec ton amie? Elle va lui dire de rentrer. Si c'est une bonne maman, elle va l'inviter. Chris, c'est ton amie? Pourquoi tu l'invites? Voilà! T'es le premier à m'appeler Vivio. J'espère que ça te gêne pas. Voilà, ça, c'est une bonne maman, ça. Comment tu prononces ton pseudo? Vish Fedis? Chris, je devrais sûrement y aller. Non, non, viens. J'allais faire une tarte. Est-ce que tu en veux? Ah bah ouais, elle va rentrer direct là. Je pense que je peux venir un petit moment. Voilà. Soit Victor, soit Vigivi. Vigivi, d'accord. Suzy, elle regarde le plafond. Oh, excuse-moi, je suis la maman de Chris Toriel. Oui, madame, je me souviens. Oh, tu es Suzy, n'est-ce pas? Oui, vous vous souvenez de mon nom? Bien sûr, madame Alfie est une bonne amie. Est une de mes bonnes amies. Elle parle souvent de toi. Oh, contente de l'entendre. Chris, qu'est-ce que Alfie raconte sur moi, bordel? Suzy, pourquoi tu viendrais pas te laver les mains? J'avoue, Vivio, c'est cool. On pourrait faire une tarte tous ensemble. Faire une tarte tous ensemble? Mais je ne sais pas comment faire. T'inquiète pas, je peux vous apprendre. Ok. Chris, Suzy a l'air d'être une fille sympa. Je suis vraiment content que tu sois ami avec elle, mais c'est quoi le mais? Chris, après ce que j'entends sur Alfie, sur son comportement, elle pourrait peut-être t'influencer en mal. Ne mange pas de craie, ok? Main lavée. Merveilleux. Maintenant, nous allons. Oh, Chris. Pourquoi tu ne montrerais pas à Suzy comment on cuisine la tarte? Tu traduis trop bien, what the fuck. Tu trouves? Au contraire, hein, c'est une traduction bancale que je fais. Chris, tu sais comment faire des tartes? Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Pourquoi tu ne m'en as jamais fait, idiot? Alors ça, je sais pas comment le traduire. Mon rôle l'a traduit, elle l'a traité de tarte. Non, de Guski. Oh, je sais pas. Attends! Elle l'a tapé devant sa mère, elle a rien dit la maman. Pardonnez-moi, madame. Suzy, tu peux juste m'appeler Toriel en dehors de l'école? Oh, super. Chris, tu as besoin de te laver les mains toi aussi? Bah, je suppose que je vais apprendre à Suzy comment faire des tartes pour le moment. Suzy et moi, on va commencer. Ok. Ok. Je dois me laver les mains ou je dois aller dans ma chambre? Je pourrais me laver les mains là, mais. Ok, on va utiliser celui dans la salle de bain, il va se passer une douille. Oui, il faut bien que je me lave les mains. Ça fait beaucoup de bruit, il va se passer un truc. Merde, il y a encore une crise. Attends, il avait une crise en so... Ils vont le voir peut-être aujourd'hui. C'est moi la musique qui a baissé quand... Si, si, elle a baissé. Ah, moi je suis très content de l'apprendre, Vivio. Bah, vous allez troller un peu les gens sur les streams. Oh, tu me diras, sur les streams où il n'y a pas beaucoup de gens, au moins ça peut les trucs, ça peut les amuser. Coucou déjà dehors du Dark World. Ouais Asta, mais t'inquiète, je vais mettre la vidéo sur YouTube.
J'ai fait le boss secret et j'ai battu la reine en mode pacifique. Et là, il y a Chris. Bon, Chris, non. Il y a Chris qui a une crise. Attends, il fugue? Ok. Et le robinet? Il a pas pensé à la facture, lui, encore. Ok. Et les autres, ils cuisinent. Ils se disent pas que Chris, il prend un peu trop de temps à se laver les mains, non? Ah, je crois qu'elle a renversé le sac de farine sur son nez. Ah, ok. Elle voulait faire ça. Ah, elle voulait sentir la farine, ouais. Achou! Come on! En fait, on cherche plus des gens un peu chiants et depuis le début, on trouve que c'est des personnes adorables. Ah, merde! Dommage. J'espère que vous trouverez des personnes chiantes alors si ça peut vous amuser. Mais merci beaucoup, je prends ça pour un compliment, Vivio. C'est rien, ça, t'inquiète, je mettrai replay sur YouTube, t'inquiète pas. Mais tu vas mieux, toi, au fait? Parce que t'avais mal au ventre l'autre jour, ça va mieux? Ils se suicident? Non, ils habitent au premier. Enfin, je pense pas. Enfin, quoique avec son gabarit, ça a peut-être dû le blesser, ça. Il était au rez-de-chaussée. Oui, Chris. Ah, voilà. Oh, Chris. Il fait ça des fois. C'est quoi? Ah ouais? Il va tout seul dans les toilettes et il s'enferme. Bienvenue, Litlassa. Tu as joué à Hollow Knight? Non, je connais, mais j'ai pas joué. Quoi? Ils vont l'appeler Snoozy. Oh, le jeu de mots. On dirait Chris, il essaie de dead. Non mais, peut-être qu'il est en train de mourir, se vider de son sang. Et oui, ils sont en train de faire une tarte. Coucou, je suis en vocal avec Vivio pour le troll. Et t'es vraiment adorable, mec, vraiment. Bah franchement, Little Lassa, ça me fait vraiment plaisir à lire. Merci beaucoup. Et merci pour ton follow. Il m'en manque plus que 5 et comme ça, j'en aurai 200. Little Lassa, c'est une personne dans mon voc. Vous savez, des fois je dis des bêtises. Heureusement, vous voyez pas les citations. J'ai déjà dit, mais oui, je me sens mieux. Ah, ok, Asta, tant mieux. Parce que Splash, il l'avait pas vu, et Sarah aussi, donc il voulait voir que t'étais vivant, quoi. Ils avaient peur que tu te balances par la fenêtre comme Chris. Par contre, mon bras répondait plus, j'étais allongé dessus, mais j'ai réglé les soucis. Ok, parfait. Ouais, non, mais Sarah, on dirait qu'il est possédé, Chris. Je pense que c'est lui qui fait peut-être les fontaines des ténèbres, mais je suis pas sûr. Oh, là, il y a Suzy qui fait un jeu de mots du style, au lieu de l'appeler Toriel, elle peut l'appeler Snoriel. Ouais, Splash, je me demande aussi, c'est pas lui le chevalier qui crée les... Est-ce que là, il est en train de créer une fontaine, justement? Ha, Snoriel. Snoozy et Soriel, ok. Tu as vraiment aimé cette blague, n'est-ce pas? Le Knight, je pense, c'est son frère qu'on voit jamais. C'est possible, mais ça peut être aussi Ralsei, on sait pas trop. Mais en tout cas, Sarah, y a la reine, elle a dit qu'en gros, il y a un chevalier qui crée les fontaines. Et maintenant, les héros, ils le savent, et ils vont tenter de l'arrêter, mais comment? Ça va être compliqué. Comment ça, je suis possédé? Ah bah, t'es possédé par le mal, Chris, on le sait tous. Ok, où est donc passé Chris? La tarte est presque prête. Oh, le sucre. Ok, elle a oublié le sucre dans la voiture. Ah merde, Chris, il est peut-être à la bagnole? On va voir. Ouais, il y a peut-être plusieurs chevaliers, c'est vrai. Ah, la musique, elle s'arrête. Chris, il revient. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Il était assommé ou... Attends. Ah, il est toujours possédé? Non, il est toujours possédé. Merde, il va attaquer Suzy. Oh, tu t'intéresses au lore de Deltarune? J'ai plein de théories. Au revoir. Oui, non, j'essaie de m'intéresser à ce jeu, c'est pas mal du tout. Hey, il y avait son cœur! Son cœur était caché dans le lavabo, enfin sous le lavabo, et maintenant il a récupéré son cœur. Donc je suis redevenu normal parce que j'ai mon cœur. Qu'est-ce que... Je pense qu'il a dû faire une connerie dehors. Ou je sais pas, il est allongé. Hey Chris, dépêche-toi, à la prochaine fois. On a bientôt terminé la tarte. Pourquoi 3 petits points? Y'a quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Oh, la tarte. Elle a oublié la tarte. On a déjà bien travaillé, non? J'ai une théorie. Et si on terminait plus tard la tarte? Il s'est passé qu'il... y a un truc là. Ok. Elle va rentrer sans manger la tarte? Quoi? La vache, je sais pas, mais oui, il paraît qu'elle était présente. C'est la suite d'Undertale, mais j'ai pas joué Undertale, Chris. Moi, j'ai bien kiffé les Mario et Luigi, du coup, j'ai bien kiffé Deltarune chapitre 1, j'ai pas fait le 2. Ah mince, j'espère que je suis pas en train de spoil Vivio.
Les Mario Luigi, c'est vrai que c'est pas mal. Faut que je note ça un jour. Oh non, non, non. Pas besoin. D'ailleurs, Suzy, est-ce que ça te dirait de rester ici? Oh, Suzy, elle va rester ici la nuit? Tant mieux. Je veux dire, si c'est ok. Mais elle doit pas prévenir ses parents. Ouais, regarde ça. Elle va dormir dans le salon. Ok. C'est pas parfait, mais on peut tous dormir là-dedans. Ok. Ça a l'air d'être bien pour moi. Super. Je vais m'assurer que tout soit en ordre. Indouille, il y a un problème. Juste, appelle tes parents, non? Ouais, ouais, faut les prévenir quand même, bien sûr. Ah, une nuit blanche. Elle en a jamais faite, je crois. Ou depuis très longtemps, en tout cas. Voilà, elle s'est direct posée. C'est pas une suite. Ça se déroule dans le même monde, ou ça reprend les mêmes personnages, là, ça. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Hey Chris. It's not like someone has to tell you to sit right. C'est pas comme si quelqu'un devait te dire de t'asseoir. Et c'est une chèvre. Chill out for a sec. Ok, voilà, repose-toi une seconde. Non, mais Toriel, elle est rentrée bizarre. Elle est rentrée, elle a oublié, il s'est passé un truc ou quoi? Ah, j'ai compris. Peut-être. Derrière les coussins, là. Oh, elle a trouvé la télécommande. On peut toujours trouver des trucs sympas derrière les coussins. Enfin, dans les fauteuils. Elle est poussiéreuse. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé la télécommande? Bon, qu'est-ce qu'on s'en moque? Regardons la télé. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Podcrusher 3, Hellbuster, Invasion of the Cat Peters. La personne qui possède Chris enlève son cœur, genre, et l'utilise pour faire les affaires du Knight, et je pense que son frère le... Ah, tu penses que c'est le frère de Chris qui le posséderait? Et en gros, quand Chris n'a pas son cœur, il est possédé, et quand il récupère son corps, il est lui-même. Non, non, t'as compris, Sarah, c'est pas mal, hein. Tu tiens un truc? Maybe Ice is a movie. Ah, 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 ah. Attends. Hey. C'était une bonne journée aujourd'hui, Chris, hein. Toi, Ralsei, Lancer, tout le monde. C'est cool de passer du bon temps ensemble. Hein. C'est pourquoi, tu sais, je pense qu'on devrait essayer de les faire venir dans notre monde. Ce serait beaucoup plus sympa. Je pense pas qu'ils puissent venir dans leur monde, les légus des ténèbres, mais faudrait tester. Mais non, non, bah non, on a dû mettre Lancer dans notre poche. Ils ont besoin des ténèbres. Ralsei pourrait faire nos devoirs, Lancer pourrait vivre sous ton lit. On pourrait tous aller aller à l'école ensemble, ce serait parfait, n'est-ce pas? Je veux dire, on serait invincible, enfin instoppable, mais bon. Si tu me comprends. Ouais, on va lui dire oui. Voilà, c'est la bonne attitude. Et qu'est-ce qu'on fait si Ralsei ça devient un faillot? C'est vrai que Ralsei, là où je le verrais bien. Alors, natif. De toute façon, tant qu'il me ramène à moi aussi une pomme. Une pomme au shampoing? J'en ai pas bu depuis si longtemps. Non, plutôt un shampoing à la pomme, une pomme au shampoing, qu'est-ce que je raconte? Oh, bref, regardons la télé. Alors, le festival arrive bientôt. Tiens, on aura peut-être un festival dans les prochains chapitres? Ah, quand la ville devient festival. C'est stupide, n'est-ce pas? Quoi? Salut Sarah, il est méchant envers sa sœur. Ah, si tu devais emmener quelqu'un au festival, tu emmènerais qui, Noël ou Ralsei? On va dire Suzy, juste pour voir la réaction. Ah, belle manière d'éviter la question, abruti. Je veux dire, si j'étais allé au festival, si j'y étais allé, tu serais sûrement là, avec moi. Ça me semble évident, n'est-ce pas? Allez, re-regardons de la télé. Godzilla. Ah, ça c'est ce qui me plaît. Un monstre géant qui détruit la ville. J'ai toujours préféré quand c'est des monstres géants qu'il y a des humains géants. D'accord. Ça c'est quelque chose qu'on pourra regarder ce soir. T'es prêt, Chris? Waouh, 12 heures d'action non-stop? Parce qu'on est enfermé ici, ok?
J'ai pas envie de te voir bouger tant que tes yeux ne seront pas rouges. Humain géant. Non, Sarah, parce qu'en fait, Chris, c'est le seul humain de ce monde, on dirait. Tout le reste, c'est pas des humains. Et en gros, je pense que pour eux, les humains, c'est comme les elfes pour nous. C'est une créature fantastique. Mais Toriel et tout, ils l'ont adopté. Je sais pas d'où il vient. Je me demande même si Chris, il viendrait pas encore d'un autre monde. Pas le Dark World, mais encore un autre truc, genre. Ah, elles sont endormies direct? Oh non, je suis mort. Non, Suzy, non. Suzy s'est endormie. C'est quoi ce bruit? C'est elle qui ronfle? Oh non! Il va pas encore avoir une crise! Non? Ah, il s'est endormi lui aussi? C'est la nuit? Et Toriel? Il s'est passé quoi? Pourquoi elle est rentrée en mode stressée? Officier, officier. Officier. Chris, je savais que tu étais bizarre. Attends, je crois qu'elle appelle la police. Pourquoi elle appelle les flics? Appelle pas pour Suzy, quand même. Merci, mon Dieu. Je vous ai enfin contacté. J'ai vu quel... Ah, merde! Elle a vu Chris traîner tout à l'heure dehors, je crois. Elle a vu quelqu'un traîner dans les parages. Et quand j'ai vérifié ma voiture... The tailleur, c'est les pneus, je crois. Oh! Ok, donc Chris, il a été possédé. Je crois qu'il a coupé les... Il a crevé les pneus de la voiture de Toriel. Officier, si vous pouviez venir, s'il vous plaît. Vous allez venir bientôt? Merci. Bon, en même temps, il n'y a pas de crime dans cette ville, tant mieux. Donc, Chris a crevé les pneus de la bagnole. Chris, c'est un petit délinquant. Non, ouais, chapitre 3, ça va être Pascal le grand frère qui va venir. Ah, ouais, ils se sont déjà endormis. Mais elle a pas compris que c'est Chris. Merde. Toriel s'endort. Putain, il va pas se réveiller la nuit et faire une connerie. Et la police est pas venue? Et dis donc, la police, elle est rapide dans le jeu. Oh non, j'ai peur. N'aie pas peur, Sarah, non. Ok, il a enlevé son cœur, donc il est à nouveau maléfique. Est-ce qu'il est possédé ou autre, on sait pas. Non, il a repris son cœur. Non. Est-ce qu'il va re-enfermer son cœur quelque part? What? Ah, il sort! Ok. Il allume la télé. Suzy? Non, il va pas buter quelqu'un dans son sommeil quand même. Il ressort son schlass. Oh! Il a créé une fontaine dans le salon! C'est lui le chevalier! D'accord! Et c'est-à-dire ils vont tous se réveiller dans une autre dimension? Oh putain! Donc ça veut dire que Chris est le chevalier sans le savoir. Oh, et ça veut dire dans le prochain épisode, il y aura Toriel avec eux. Et peut-être même l'officier, parce que la police devait venir. Voilà, il va remettre son cœur. Ou peut-être même les voisins, parce que ça dépend, la fontaine, elle peut être ronde. Oh, attends, et ça veut dire dans la fontaine, il y aura la télé, les meubles et tous les trucs de la maison. Oh, le bordel. Ah, c'est le sourire de qui, ça? Non, c'est pas Lancer. Ça, c'est le troisième ennemi qu'on va devoir affronter dans le troisième chapitre. J'avais dit que c'est une double personnalité. Bien joué, beau boulot. Ah, c'est le son qui bug? Ah non, c'est la musique qui est comme ça, ok. Eh ben, voilà la fin du chapitre 2. Je vais vous le mettre sur YouTube, vous inquiétez pas. Mais merde. C'est-à-dire le chapitre 3, il y aura Chris, Suzy, j'imagine que Ralsei trouvera un moyen de venir, et il y aura Toriel. Le troisième ennemi, c'est la télé. Ok, donc maintenant on sait que c'est Chris le chevalier, mais il semble ne pas être au courant lui-même. Il semble être possédé, et les autres ne sont pas au courant. Mais peut-être que dans le troisième chapitre, ils vont commencer à se douter d'un truc. Et surtout, Toriel, ça va être la première adulte qui est dans le monde des ténèbres. Parce que pour le moment, on a eu que des gosses, quoi. Noël, Berly, Suzy, Chris. Ouais. Ah, je peux pas sauvegarder, non?
Ok, d'accord, c'est terminé. Eh ben, le chapitre 3 n'est pas encore disponible, donc on a du temps. Il y aura 7 chapitres quand même, encore plein de Shadow Crystal à réunir. Alors, soit c'est lui le chevalier, soit c'est quelqu'un qui prend le contrôle de son corps. Mais doit y avoir peut-être une explication, parce que c'est le seul humain de cette ville. Peut-être que comme il est humain, je sais pas quoi, tu vois. 7 chapitres? Ah ouais, ça va être sympa, hein. Surtout si à chaque fois on doit réunir les 7 Dragon Ball, façon de parler. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Ça va faire un paquet de théories. Vivio et Edith Lassa, je suis content que vous ayez suivi la chaîne. Je fais pas que du Deltarune, j'espère que mes prochains trucs vous plairont. Et j'espère que vous trouverez des personnes chiantes à embêter. Non, mais impossible que ça soit Chris pour la bonne raison que Noël et Berly étaient installés quand le Cyberworld a été créé. Pendant ce temps, tu étais avec Suzy. Oh, tu marques un excellent point, Insta. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être plusieurs chevaliers, comme il le disait. Parce qu'il disait Knights avec un S. Qui serait l'autre chevalier, alors? Asta, j'avoue, tu marques un très bon point. Suzy et lui étaient tout le temps ensemble. Alors, à moins qu'il ait... Non. Parce qu'ils auraient remarqué, je pense. Il aurait fallu que pendant la entre le chapitre 1 et 2, il aurait fallu que pendant la nuit, Chris aille faire ça à la librairie et qu'il n'y ait que Noël et Berly qui allent dans la salle, genre les deux personnes qui vont dans les ordinateurs. Peut-être utilisent tous les gens de la ville. Possible, Sarah aussi. Genre il y aurait d'autres personnes possédées, ils perdent leur cœur comme ça. Mais il n'y a que Chris qui semble avoir un cœur rouge dans cette histoire. Et je sais pas si ça signifie quelque chose. Pendant le second boss optionnel, le cœur, là, quand je disais le pouvoir du pipi, le cœur rouge de Chris est devenu en or. Il nous a permis de battre le boss. Donc je... Bizarre. Bizarre, bizarre. Ralsei, je suis sûr, il en sait plus que ce qu'il dit. Mais après, le frère à Chris, qui est Asriel, qui est peut-être Ralsei, doit sûrement... Je sais pas. Vous marquez un truc, là. Mais j'avoue, Asta, tu marques un gros point. Ça voudrait dire qu'il y aura un autre chevalier. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit splash. À la prochaine. À demain pour soit le jeu du simulateur de vie en Seine-et-Marne, soit du Hearthstone, soit peut-être du Choice Chamber. À voir. J'avoue, ça fait plein de théories, les amis. Pas mal du tout. Bah écoutez, je vais mettre ça sur YouTube. J'oserais pas faire la voix génocidaire, je massacrer tout le monde comme ça. Mais je suis curieux si on, avec la voix génocidaire, si on tue tout le monde, qu'est-ce qui se passe ou non? Possible, je te l'ai dit, Berly et Noël étaient assis avec les affaires posées. Bizarre, bizarre. Est-ce que ça serait pas aussi le couteau de Chris qui serait spécial? Le couteau qui permettrait justement de créer une fontaine? Le truc, c'est que Chris semble, il semble pas se souvenir avoir ce chasse sur lui. C'est une sale affaire. Qui serait le coupable? Est-ce que ça serait pas un NPC qu'on aurait déjà rencontré? Puis même, non, il y a énormément de mystères. Il faut qu'on rencontre le frère de San, là, ou San. J'ai jamais su comment ça se prononce. Il y a le frère à Chris aussi. Il y a l'oignon, là, dans le lac. Il a dit qu'il entend quelqu'un qui fait de la musique et c'est une musique qu'il a déjà entendue. Je sais pas du tout si ça mène à quelque chose. À voir, à voir. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour le chapitre 3. Asta, accroche-toi sur le site. Je vais sûrement faire un article avec plein de théories et tout. Mais t'inquiète, dès que tu repasses, je vais te le balancer. Mais franchement, pas mal comme jeu. C'est plus profond que ce que je pensais, quoi. Et si au deuxième chapitre, j'ai déjà autant de théories, j'imagine pas au chapitre 3, 4, 5, 6, 7. Hype! Ça, c'est que j'ai fait du bon boulot. Mais écoutez, bonne soirée, bonne nuit. Et plus que 5 followers, et il y aura 200 followers sur cette chaîne. Ciao, ciao tout le monde!